Je m'appelle François Malingret, je suis peintre installé à Paris. J'ai grandi avec un père dessinateur de presse. J'ai tout de suite connu le dessin à la maison et surtout l'idée que ça puisse devenir un métier. Je me suis rendu compte plus tard que c'était pas du tout le cas pour tout le monde, mais quand moi à 6 ans je disais bah moi plus tard je ferai du dessin, c'était tout à fait, ça semblait tout à fait possible. Donc ouais, j'ai grandi avec cette idée et puis quand est venu le moment de faire un choix pour les études supérieures, je suis allé aux Beaux-Arts. Je pense qu'il y a des gens qui sont d'excellents peintres, c'est-à-dire qui savent extrêmement bien peindre. Pas simplement techniquement, mais dans ce qu'ils racontent, pourquoi ils font de la peinture. Après, il faut savoir en faire son métier. Il y a un seul truc qui fait la diff entre le fait que ce soit ton métier et puis abandonner, c'est continuer à produire. Tous les mecs dont c'est le boulot, c'est des gars qui n'ont jamais arrêté de produire. Qu'on leur demande ou pas d'ailleurs, juste il faut qu'il y ait des peintures qui soient faites et il y a de la nouveauté. Donc moi, ça a toujours été le truc, il y avait toujours un peu ce sentiment d'urgence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses. C'est d'ailleurs un des trucs qui me permet de lutter contre l'angoisse, terminer une peinture est le truc qui me rassure, un des trucs qui me rassure le plus. Et en fait, ça a toujours été continuer à travailler, produire des choses, chercher, essayer de trouver des bonnes idées, ce qui fait qu'à un moment donné, on existe, quoi. C'est vraiment l'idée de dire on n'abandonne pas, quoi, de continuer à travailler. Autre chose aussi, justement, c'est d'accepter que on ne sait pas comment ça va marcher. Et tout le monde n'est pas fait pour ne pas savoir de quoi est fait le lendemain, quoi. Il y a des gens qui supportent pas de dire bah ce mois-ci j'ai gagné de l'argent, le mois prochain j'aurai peut-être pas. J'ai de l'argent aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ans. Et ça fait partie de la réalité de ce métier et c'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais il y a vraiment plein de choses qui jouent aussi, le fait que c'est un métier très solitaire. Quand on peint, on est tout seul dans un atelier. On peut partager ses joies et ses peines avec nos proches, mais ils sont pas impliqués dans le métier. Je me souviens qu'au tout début, moi, ça avait été pour moi assez de découvrir que c'était la réalité de ce métier, c'est-à-dire que qu'il m'arrive une bonne ou une mauvaise nouvelle, je peux en parler à mes amis, ils sont là et c'est un soutien, c'est super, mais je ne le partage pas avec des gens qui le vivent comme moi. Et je voyais des gens qui travaillaient en équipe à côté de moi et quand il leur arrivait un coup dur ou une bonne nouvelle, eh ben, ils célébraient ça ensemble ou ils se serraient les coudes. Et je me disais, ah ouais, quand même, ça a l'air d'être pas mal, quoi. Et ça, moi, je n'ai pas. Je m'y suis fait et en fait, ça me va bien aussi à plein de moments d'être seul décisionnaire. C'est-à-dire que j'ai personne au-dessus de moi, je fais exactement ce que je veux. Et ça c'est aussi une joie dans mon métier, quoi. Mais je pense que si tout le monde ne devient pas peintre, même avec des capacités, c'est aussi pour ça, quoi. C'est parce que il y a une différence entre faire de la peinture et être peintre de métier, quoi. Faire son métier, quoi. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à nous partager ton avis en commentaire. Et si tu souhaites en savoir plus sur le métier de peintre, découvre notre vidéo exclusive centrée sur cette thématique. Que ça devienne un métier, quand on est au Beaux-Arts, c'est quelque chose qui n'est pas du tout défendu. On ne parle jamais du fait que ça devienne un métier. Tu y découvriras de nombreux conseils essentiels à ta professionnalisation. Au-delà de en fait, savoir peindre, avoir des idées, il y a plein d'autres choses qui se jouent pour pouvoir en faire son métier, quoi. Que ce soit très pragmatiquement. Pour la consulter gratuitement, clique juste sur ce lien. Bon visionnage à toi.